Alors, le monde numéro 2 du désert, où on peut voir enfin des petites pyramides en arrière-plan. Oh, les blocs sont tellement jaunes, flashy, quoi. La para-pam-pam-pam. -pam -pam. Si tu veux de la qualité, regarde tonton en direct. Il te dira Mario, il te dira Yoshi, il te dira une bière, il te dira tu bois, il te dira. Mais bien sûr qu'il ne te dira rien. Allez, l'étoile, l'étoile, l'étoile! Pour le prestige! Ta-ta-ta-ta! Power-up à fond, vous avez toujours l'étoile, les gars! Mathéo! Ah, il est là, on parle de moi. Le mec, il joue, mais il met 4 streams en live, en fond derrière lui. Il joue le spectateur fantôme. Et oui, on parle de toi. Oh, ça, j'avais déjà expliqué. Ah là 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 là. Tonton! Ouh là Vas-y, tu es J'avais déjà expliqué, en gros, pourquoi ils me balancent des tomates, les mecs. Jus de tomate. Jus de tomate. Il existe en réalité, il existe 8 tableaux comme ça de jeux de mémo. Et on peut retourner. Bon, bah, ouais, t'es le meilleur et puis tu vas décéder. Bon, allez, je Tonton, ferme ma gueule, hein. tu vas décéder! Alors, je pense que là, je ne les connais plus, hein. Ah, le champignon, c'est la première. On fait des petits jeux comme ça, on s'amuse. Ah, je regardais l'écran, du coup, je l'ai vu monter. Et vraiment, quand je regarde pas l'écran, Ah, la différence de son, quoi. Multitomate. Bon, c'est bon, les gars, je peux jouer. Les mecs, ils font popper que des notifs, quoi. Après, ils vont dire ça fonctionne plus. Et voilà, arrêtez de dire des trucs qui popent plus. Ah, il y a deux fois les culs, en fait. Ok. Deux fois les culs. Bon, bah écoutez, je joue, hein. Je vous laisse vous amuser. Hein. Sortez-vous les doigts du cul! Ah putain, je me demandais c'était quoi le IA! Bah ouais, c'est quand il balance son épée à la fin. Palalam, c'est le prestige, jouer à. Salut, bande de nuls! Kukuisan, moi je vais mettre le live à 1% de son. Là, c'est chaud d'avoir l'étoile. Ah, c'est chaud. Le power-up est à fond, mais on n'a pas pris assez de distance. Du coup, il est à fond sans être à fond visuellement. Alors, mon bon vieux Mathéo, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, je disais, bah, aujourd'hui, petite tranquille ou petite soirée au calme, on fait Mario Bros 3. Et pour la première fois de ma vie, bon, j'y ai déjà joué, mais voilà, j'ai jamais fait le jeu complètement. Tu sais, peut-être le monde 1, le monde 2, comme ici, voilà, juste pour m'amuser. Mais j'ai jamais vraiment fini le jeu, joué vraiment au jeu en version Super Nintendo. Voilà, c'est bien mon coup de cœur, la nostalgie, c'est vraiment l'original de la NES. Et là, ben voilà, tranquillement, on se fait la petite version Super NES. Pour écouter ces mixages de qualité, ce graphisme en mode Mario World, on va dire, hein. Bah oui, je le savais que j'allais me faire écraser, t'es trop con. Deux sublimes créatures, une femme et une femme zombie. What the fuck? Param pam pam pam. Pourquoi il parle de femme zombie? La petite plume des familles, sprintage. Bah putain, ça passait, hein. Ça passait. Hein. Param pam pam pam. Fantômes sont beaucoup plus rapides. Voilà, on prend la porte et on va niquer le big boss. Enfin, c'est pas le big boss celui-là. C'est le petit sous-fifre. Et voilà, il est mort. Pa 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 pam, pa 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 pam. On n'entend pas la musique du jeu ou c'est moi? Ah ben on l'entendait pourtant. C'est bon, Sabine, le son est bon.
Le son est bon. La musique est bonne. Ah, on va aller sneaker ce petit coupa. Bon, eux, ils sont à l'aise. Voilà. Une note de music. Une petite berceuse pour endormir. Stokobetch, c'est du level up ou du holy? Bah écoute, j'ai les deux. Mais le timeline toucan, c'est du holy. Ok, donc c'est parti. Pour le niveau 3. Parapa. Si tu veux de la qualité, tu lances Mario All-Star. Tu perdras. Ah bah tu perdras même la musique là, on était lancé là. Ciao ciao bambino. Ah il lume chelou hein, le Mario. Tu finis le niveau au calme. Ah bah on est déjà à la fin du niveau, voilà c'est ça. Ah merde j'ai tué les cookies. Ah dis donc c'est que de base tu balances la carapace et elle détruit tout le truc quoi. Ah bah attends on sait prendre de l'élan et s'accroupir. Hein. Non on peut pas dans cette version. On peut pas dans cette version. What the fuck. Il faut une tortue. Il me faut... Elle va repopper, non? Elle va repopper, la tortue. La tortue des familles. Bah, il y en a une là, mais je peux pas la ramasser, celle-là. Bah non, c'est impossible. Comment mourir? Elle repop même pas? Et comment tu fais, les gars? Si le machin, il repop pas, tu fais comment? T'es bloqué? Tu meurs? Et ils sont sérieux. Ils doivent faire repopper les ennemis, hein. Bon, premier point négatif pour cette... Ah bah oui, hein, premier point négatif. Parce que celle-là, elle repop en plus. What the fuck? Ou alors on recule plus loin? Premier point négatif pour la version Super Nintendo, les gars. C'est pas de la qualité. Ah ouais, mais là... Ah oui. Hein. On est mort exprès parce que là, pas sérieux tout ça. Sérieux, ils ont fait de la merde, là. Hein. C'est quoi ce prestige de merde, là? Tu fais pas popper les créatures, donc tu bloques le tantan. Tu lui as fait perdre une vie, il n'est même plus posé. Plus de bière, plus de level up, plus de holly, plus de CBD. Et plus personne, tout le monde se barre. C'est la fin du live à cause d'une carapace. Et voilà, on est posé. JDG, le checkpoint, et voilà, ils ont pété les notifs et genre, on vous en bat les couilles. Param, la parapam, pam, pas de power-up, on veut un champignon. Parararam, pam. Ah, c'est une connerie ce truc de point de chaîne. Hein. Voilà, je l'ai réparé, je la fais popper pour toi. Tu viens chez moi, comme ça, tu te rembourses pas tes points. Y'a pas de problème, je suis le checkpoint. Le checkpoint. Voilà, j'ai réparé. En fait, je dois juste supprimer le lien, valider, relancer le paramètre, recoller le lien. Et je sais pas, c'est bizarre ce truc. Au début, je pensais qu'il y avait une connade avec Streamlab, une mise à jour via Streamlab. Maintenant, je suis sur OBS et il y a toujours ça. Ah putain. Voilà, sur NES, tu fonces et tu passes d'un coup. Parapam, parapapam. Vas-y, moi je pars avec la carapace. Bah les coups, youhou. Ah, j'ai lancé la carapace. Palalala, il y a le soleil, il y a le soleil, et là tu fais de la merde. Tu fais de la merde de qualité, de la merde de qualité. Ah ouais, il y avait un son, ah je crois que j'ai désactivé ça. C'est un son de Squeezie qui fait de la merde de qualité, c'est de là que ça vient en fait. Tu en fous 5 et ton bot est mort. Ben, on en a fait plus que 5, mais je ne comprends pas le projet. C'est qu'un lien de Trigger Fire. Je sais pas le projet, c'est bizarre. Bon ouais, je disais, il y a 8 tableaux comme ça différents, voilà, on peut les trouver sur internet à un moment, dans mon ancien téléphone de la 10 ans, je sais bien, je les avais sauvegardés, ils sont peut-être quelque part dans mon PC, enfin, j'en sais rien, et du coup, ils sont aléatoires, mais d'une fois que tu tombes sur le premier, ben, boum boum boum, et tu te gagnes des items au calme. Alors, j'avais ouvert le champignon tout à l'heure, mais je sais plus où, ah merde. À un moment, j'en connaissais quelques-uns par cœur, quoi. Ouais, voilà. Tu gères tonton toujours. Susboule. Bah ouais, susboule avec le bon piment des familles. Panam, pam, panam.
T'es en forme aujourd'hui? Bah ça va, normal, tranquillou. Mais c'est pour ça que je voulais pas me prendre la tête. Je me dis, allez, on fait un petit jeu tranquille, c'est le petit jeu tranquille que tout le qu'on ne peut pas perdre, qu'on est posé au calme. Ah, on n'a pas la plume, ouais, la plume elle est là-dedans en fait. Alors je sais qu'on peut la voir. Ah mais merde. On peut avoir cette fucking plume. Hein. Ah mais punaise. Parce que là, regardez, en fait, il y a une petite warp zone là-bas cachée en haut. Non, en fait, il faut se mettre ici pour balancer la carapace. Autant vous montrer deux, trois trucs. Parim-param. Faire popper la tortue. Hop! Voilà. Pam-param-pam. Le monde caché, tu ramasses des millions de pièces, mais moi je les ramasse pas parce que je m'en bats les couilles. Ah, mais que t'es con! Que t'es con de faire tuer! Et là, il y a un pi, le petit pi, hein, pi 314, les gars, je sais pas, il est où, qui te. Ah, ben voilà, il est là. Le petit pi 314. Et on inverse, hein, comme ça, on ramasse des. En fait, c'est une petite zone secrète où il y a des millions de pièces. Voilà, et puis on redescend, posé. Et on est à la fin. Warp zone de fou. Wow, j'ai dû sauter avant parce qu'il y avait l'ennemi. Cause clear, you got a card. Sabine, elle est pas fait. Elle a pas fait de crise quand elle a passé le cap des 40 ans. Hein. La crise de la quarantaine, c'est comment? Ah ouais, gars, c'est vrai, c'est comment? Moi, je l'ai bien vécu. Allez, on va niquer le Koopa. Le petit Koopa. Wow, il est rapide. Il est rapide. Pop, 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 pop. On le nique et on évite les boomerangs des familles. Ils ont changé de zik. Et voilà, le petit marteau. C'est pour aller chercher la. La 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 la. On n'a pas loupé une. En fait, on a ramassé une flûte. C'est où qu'on ramasse la deuxième flûte de base? Parce que oui, il y a une flûte cachée ici, mais il y a une autre flûte encore quelque part. C'est où la troisième flûte? J'ai zappé une flûte en fait. J'ai oublié. Voilà, petit marteau des familles, on va quand même aller la chercher, comme ça on sera prestigieux, on aura déjà un champi en plus. Moi j'ai mal vécu d'avoir 22 ans. 22, ah ouais, c'est dans ma tête la grosse vingtaine et la fin de l'insouciance et de la fiesta permanente, donc c'est bon. Au contraire, la légende raconte qu'elle boit bien plus qu'avant. Bah ouais, mais tout le monde, hein, ça. On boit avec l'expérience maintenant. Ah oui, c'est les bombes feu! Ah, casse-toi, ils m'ont fait flipper. Ils te donnent la deuxième flûte, El Cigario, du pharaon, comme dirait le Gats. Mais le Gats en dessous de 40 ans. En faisant ça, je ne dérange pas la bête. Ah. Hein. Enfin, peut-être que si. Nouveau follow, Jafar, merci à toi pour le follow, Jafar. Et bienvenue sur le live de qualité. Voilà, bon, on part tout petit, on fait la pyramide des familles là. En fait, j'ai façon de parler, je connais le jeu, mais j'ai l'impression de jouer un jeu un peu différent. Allez pour la France! Parce que, ben, y a cette petite refonte graphique en mode Super Nintendo. D'ailleurs, il y a eu des rumeurs comme quoi Nintendo aimerait bien refaire un vrai remaster du Mario Bros 3. En faisant ça, je ne dérange pas la bête. Mais apparemment, c'est tombé Enfin, à l'eau. que si. Attendez, parce qu'après, lui, il va se réveiller. Mali. Malicia Delis, merci pour le follow. Les gens ils se follow en même temps. Bah écoutez, merci à vous, bienvenue sur le live. Ah merde. Donc voilà, je suis le big boss. Je suis le big boss là, genre. Oh putain. Là tout d'un big boss là. Ah oh, putain, merde. Ah merde. Ah merde. On est mort. On est mort. Allez, on peut pas les ramasser les carapaces de mes couilles. Ah, faut que je me mette là. Ah, mais merde! Ouais, mais attends! What the fuck? Non, mais je disais, ouais, voilà, je suis le big boss. J'allais dire, je suis le big boss du Mario Bros 3. J'adore Mario Bros 3. Mais nostalgiquement, j'ai toujours fait la version NES, on va dire. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, petit live posé. Mais putain, pourquoi il se barre de l'autre côté? Pardon. Petit live posé. On va faire la version Super NES avec des graphismes de qualité. Mais je disais juste avant. Ouais, Nintendo, ici en 2023, hein, fin 2023, début 2024,
Il y avait eu des rumeurs comme quoi Nintendo allait refaire un espèce de remaster, un vrai remaster de Mario Bros 3. Mais au final, j'ai vu que c'était annulé ou ça allait pas se faire. Mais comme j'aurais trop kiffé un vrai remaster de Mario Bros 3. Alors ici sur NES, le fond derrière, il est tout noir et on voit deux petits points à l'endroit où il y a les blocs cachés. Là, on n'a pas d'indice pour le petit bloc caché si on ne le sait pas en fait. Voilà. Alors, on va essayer de ramasser le maximum évidemment. Hein. On ramasse les pièces. Boum, en plus on a une vie, c'est magnifique. Et après on active le Pi. Jafar 35000 de la Continentale. Ah mais le Pi dans ton cul. Hein. Le Pi dans ton cul. Tu l'auras pas ton Pi. On ne saura pas avoir le Pi. Il fallait que je ramasse les pièces là avant. Les pièces avant. Ah on ne saura pas, on est niqué. Jafar de la Continentale, non Dutch Game, pas de Continentale, loin de là. Au sens de la vie après 40 ans. Qui est au sens de la vie? Regardez, ça a tapé, ça a même pas pété le bloc quoi. Va-t-on clasher la version All-Star? Regarde, what? Bon, de toute façon, on a un champi. Moi, quand j'ai pas d'étoile, je m'en bats les couilles de ce que je vais avoir ici, quoi. Je marche, mais après, t'as une étoile même quand tu marches. Et tu te dis, c'est bon, on a le champi. Non, je réfléchis. Hein, tu dors, ouais, voilà. En tout cas, merci pour le follow, Jafar. Hein. Du coup, je sais pas, tu me suis sur YouTube depuis combien de temps? Ou tu m'as découvert peut-être avec quelle vidéo? Parce que tu dis les vidéos rétro, c'est vrai qu'avant je faisais que du rétro façon de parler, puis de 2018 à 2020 j'ai arrêté et je suis revenu un petit peu avec des dégustations, des familles et du rétro un petit peu moins, mais comme je fais du rétro en live, il y a quand même des best-of et tout qui sort, donc il y a quand même du gaming sur la chaîne. Puis il y a eu le partenariat Holy Level Up, bon ça c'est un peu différent. Il t'a découvert grâce au Big Boss Discord. Au Big Boss Discord? Ah, donc grâce à toi. Ah, donc toi, tu connais Jafar, en fait. Ok. Wow. Les canons, ils vont plus vite. Là, bon, c'est du 60 FPS, ici. Hein. Bah, peut-être pas du 60, mais... Ouh, un petit peu trop aigu, cette musique. Les chiens de l'enfer, comme je les appelle. Alors, c'est des taupes, hein, c'est ça, qui balancent des clés de mécano, mais moi, je les appelle toujours les chiens. Ça reste toujours des fucking chiens. Putain, maintenant, je suis tout petit hein, à cause du chien. Sale chien. Sale chien. En plus, c'est le big boss au casque de métal, là. Le lourd qui te nique, quoi. C'est le plus dur. Non, le plus dur, honnêtement, c'est le monde 5. C'est ça, le monde 5 ou le 4? Avec la fille. La fille qui est sur son... Putain, vous êtes malade. Vous allez réveiller toute ma baraque. En plus, on voit pas dans le chat au moment où tu vas le faire. Grâce à mes deux Dead's Game, je t'ai connu. Plus de bière de dispo. Normalement, il y a des bières de dispo. C'est toutes les 45 minutes. Ça fait plus que 45 minutes qu'on a fait le... Mais bon, ce sont bordel. Ban ce son, bordel. Faites un sondage pour voir si je le dégage ou pas. Je le fais instantanément.